Vous êtes des perles rares. On ne vous voit pas comme ça. Magadene. Perles rares. Des diamants bruts. Des diamants bruts. Ok. Oui, je suis Magadene. D'accord. Voilà. Je suis venu en Côte d'Ivoire. Le gosier. Oh. Mais le Seigneur Benguise. Je suis arrivé. Non, c'est pas de ma manière, c'est pas ma faute. Dieu. C'est ma manière de parler. Et Allah. Et comme cette langue de Molière, c'est ça qui est. C'est ta faute, Boulou. Donc, voilà, je suis arrivé en vacances. Et des passages, j'aimerais déjà saluer Zomadré, qui m'a mis en contact avec Moloukoukou pour qu'il soit là. D'accord. En tout cas, on est content en tout cas. Puis big up à Zoom, André. Alors, Maradene, quand on dit système gazeur, quels souvenirs te reviennent? Système gazeur, ce qui est sûr, on a marqué les beaux séjours de la Côte d'Ivoire. Parce que quand j'ai dit 89, on fait cette note primitive. Et après, poignons su, après les parents du campus. Quel était les membres du groupe Système Gazeur? Il y avait moi. Maradende, tonton Marcel. Tonton Marcel. Tonton Marcel. Hein. Pour les intimes. Pour les intimes, tonton Marcel. Voilà. Il y avait Lago Paulin. Lago Paulin. Grillo Achille. Titi Hervé Gérard. Élisée Corché. Casimi. L'enfant Tessé. Très bonne mémoire. Voilà. Et Arnaud Grodieu. Zouomé. D'accord. Ils sont tous là ou il y a... Achille qui, malheureusement, qui nous a laissés. Ouais. J'ai décédé. Personne. Lago Paulin qui est là. Je suis à Paris avec Zoumé. Zoumé, d'accord. Sinon, les autres membres du groupe, ils sont là. D'accord. Maradede, tu formais avec Lago Paulin, l'un des dieux les plus performants du Zouglou. Bon, les fans aujourd'hui ont du mal à digérer, sinon à accepter cette séparation. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je réside à Paris. Et Paulin, il est en Côte d'Ivoire. Tu vois? Sinon, il n'y a rien. Voilà. On n'est pas en histoire. Oui. Moi, j'ai décidé de m'installer à Paris. D'accord. Et c'est comme ça que je suis parti. Est-ce que avant de partir à Paris, vous vous êtes parlé, est-ce que vous êtes entendu sur... Mais Paulin est parti à Paris avant moi. J'étais à Ferke, quand on a eu le premier contrat de système gazeur. Il est allé avec Joubert. Ils sont revenus me trouver à Bidan. Ils sont allés à ton insu? Oui. Ah bon? Ah ouais, oui. D'accord. Non, ils t'ont pas informé, mais... Il n'y avait pas portable en ce moment. Il n'y avait même pas portable. C'est comme ça qu'ils sont partis, quand ils sont revenus. Moi aussi, j'ai eu mon sécurité, je suis parti. Bon, quand ils sont revenus, ça c'est un peu tiré par les cheveux. Quand ils sont revenus, est-ce que vous êtes... Tu leur as fait des histoires, du genre... Non, t'ont laissé... Pourquoi? Tu as pris ça comme ça? C'est le bonheur. Mais pourquoi ils t'ont laissé pour partir? Vous formez un groupe? J'étais à Ferke. Oui. Ils n'avaient pas quand même envolé pour venir à Bidjan. Voilà. Non, faut dire ce que tu faisais à Ferke. Non, mais tu es à l'engombo. Il va expliquer ce qu'il faisait à Ferke. Je vais vous expliquer. D'accord, explique-nous. Il faut expliquer même. J'ai travaillé à Borotoukro, à Ferke. D'accord. Voilà. Au complexe. Au complexe. Tu travailles, qu'est-ce que tu faisais? T'as fait les sucres là. Les sucres, après, les sucres là. Les sucres là, ouais. Quand on dit Borotoukro, ça veut dire c'est sucre. C'est sucre. Voilà. Okay. On était dans l'affaire de sucre. Mm-hmm. Donc le contrat arrivait derrière. Mm-hmm. Le temps même, ils vont dire, magasin, tout ça, ils sont déjà partis. Et moi, j'arrive à Bidjan, on dit, ah, tes amis, ils ont, après 8 mois, ils sont revenus. Mais on est toujours restés dans des bons thèmes. Il n'y a pas eu d'explication. Non, il n'y a pas eu d'explication. Mais eux et le Dieu, au moins ils sont partis. Je veux dire, au moins pour rattraper, on peut dire, bon. On allait en mission, tiens ta part. C'est l'affaire de pas. Ils sont allés jouer, ils sont revenus. Si on m'a rien donné, il fait quoi? Donc, ils t'ont rien donné. C'est moi qui lui ai dit, il va se mélanger. Le Dieu m'a dit, non. Faut pas te mélanger. Mets-toi au-dessus de ça. Où ils sont partis là? Demain, toi, tu peux aller là-bas. On va te mélanger. On n'a pas fait des histoires. Moi, je me suis... Non, il n'y a pas d'histoire dans ça là-même. Mon heure a sonné et je suis parti. Voilà. Et quand tu es parti, tu as fait un Biali ou bien tu es revenu? Non, bon. Non, il a résidé. C'est pour l'un qui était résistant, sinon lui, il a résidé. Il a fait un Biali même. Oh, Francky, quand je partais, j'ai dit c'est Grumet qui allait me tirer pour revenir. Tonton Marcel, oui. Maradene, tu as dit dans une interview sur un site, abidjanshow.com, que tu étais le créateur du Zouglou. Comment ça? Maradou aussi, des... Comment? Comment ça? J'ai jamais dit que j'ai été le créateur du Zouglou. Voilà, faut pas... Les gens vont difformer, mais dire. Mais voilà. C'est écrit, là. Bon, tu vois la public... Non, mais je vois. Mm-hmm. Je vois. Mais j'ai jamais dit ça. Ils ont déformé ta parole. Voilà. C'était quoi, au juste? J'ai dit, au commencement, était le système gazeux. D'accord. Oui.
Cela ne veut pas dire qu'on est les créateurs. Pilier d'idée vient avec le mot Zouglou. C'est comme ça qu'on l'attribue le créateur. Mouradelin n'a jamais dit que... Donc pour comprendre les choses... Il n'est même pas le créateur. Pilier d'idée vient avec le mot Zouglou. Sinon, avant ça, il y avait des... Nous, on chantait déjà. Le système gazeur. Oui. D'accord. Voilà. Donc, je ne peux pas me dire que je suis le créateur, mais je suis parmi les créateurs. D'accord, c'est bon. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des jeunes aujourd'hui qui aiment le Zouglou, qui aiment écouter le Zouglou, mais c'est bon qu'on fasse un peu, n'est-ce pas, la genèse de... Oui, mais quand les gars font la genèse du Zouglou, ils oublient toujours le système gazeux. C'est ce qui n'est pas bon. D'accord. Voilà. Alors, vous, en tant que les doyas de ce mouvement, hein, le Zouglou a 33 ans, comme tu l'as dit, 33 ans. Quel bilan faites-vous de ce mouvement? Moi, je pense que le bilan zougloutique est positif, hein. Ouais. Parce que il y a un certain temps, les DJ ont failli nous piétiner. les Moulukoukou ou autres, là, ils ont failli nous piétiner. Nous, c'était la vigilance. La vigilance. Nos enfants qui viennent d'arriver, le Zouglou allait mourir. Oui. Aujourd'hui, je peux prendre un gars comme Samy Succès, VDA, Molière, plein. Révolution. Donc, chapeau, révolution, tout ça. J'ai dit chapeau à mes petits frères. Et puis, voilà. Sinon, le Zouglou, le bilan, il est positif. Il n'y a rien à dire. D'accord. À l'époque, quand vous faisiez le Zouglou, les gens disaient que ce n'était pas de la musique. Est-ce que ça vous faisait mal d'entendre ça? Tu sais, quand tu fais la musique, quand tu ne critiques pas, tu ne peux pas avancer. Voilà. Donc, on peut te critiquer. Tu peux prendre ça côté négatif ou bien côté positif. C'est à toi seul de persévérer puis faire ton travail. Sinon, est-ce qu'il y a meilleur chanteur en Côte d'Ivoire? Que quoi? Est-ce qu'il y a meilleur chanteur en Côte d'Ivoire que Zouglou? Tu me demandes? Oui. De te répondre? Oui, tu vas me répondre. Parce que moi, je ne vois pas. Hein. D'accord. À nous, là, c'est Tess. Hé, José. Elle chante très bien. Mais, non, est-ce qu'il y a... Elle fait Zouglou. Elle fait variété. Oui, mais une fois en passant, c'est pas... Ça, c'est Zouglou. Il y a de nombreux artistes aujourd'hui de vos générations qui sont allés en France, qui ont arrêté de chanter, qui sont restés là-bas. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça a contribué à tuer le mouvement, à affaiblir le mouvement? Voilà, affaiblir, mais le mouvement a repris, là. Mais quand tu vis, les gens sont... Excuse-moi, je... Beaucoup sont partis, ils ont arrêté de chanter. Ah, là, je veux en chérir. Que beaucoup sont partis et qu'ils ont arrêté de chanter. Mais il y a la réalité aussi du terrain. C'est quoi la réalité du terrain? La réalité là-bas, tu dois jossi. En France? Oui, pour pouvoir payer là où tu dors. Voilà. Tu vas t'occuper de tes enfants. C'est à quel moment tu vas répéter? Mais ça, c'est un fait. Oui, mais quand tu décides déjà de partir, yeah, ça, tu es gamé. Tu ne vas pas pour revenir. Moi, quand j'ai parti, j'ai dit, je ne reviens plus. Mmh. Voilà, oui, j'ai dit ça. Oui, j'ai dit, je ne reviens pas. Mais je suis parti. Et mon autre première chose, c'était les Zouglou au Zénith. Oui, après le Zénith, moi, je suis resté. J'ai dit, je ne reviens pas. D'autres sont revenus. Mais moi, j'avais déjà ma gamme, je partais pour me chercher. Voilà. Tu as bien. On fait sortir des tubes ici. Après, si tu ne fais plus sortir, le producteur même, il vous met en wasabi, il prend d'autres personnes. Et moi, je ne peux pas être au paradis pour dire que de revenir en affaires. Mais ça, ça affaiblit le mouvement. Ça ne peut pas tuer le mouvement. Pendant que nous sommes partis, il y avait des faiseurs de Zouglou. Allez-y, vous pouvez éteindre le micro. Quand on sera prêt pour chanter, vous allez les Il y avait des faiseurs de Zouglou toujours. Donc le mouvement ne pouvait pas mourir. Alors, le Zouglou, ce n'est pas seulement la chanson, c'est aussi des pas de danse. Regardez l'écran et puis on dépaporise juste après. Tonton Marcel, oui, ça c'est des pas légendaires. Faut nous dépaporiser un peu ces images. Ça ressemble à la lisée, là. Mais c'était dans la boîte du grand frère, père son âme, en bac. D'accord, d'accord. Et je crois que ce n'est pas des danses, là.
c'est pas tout le monde qui a encore ça. J'ai fait partie de ceux qui ont la clé du Zouglou. Voilà. Après le commissaire Waka, il a fait le double des clés qu'il m'a donné. Donc moi, j'ai la clé du Zouglou aussi. Bon, d'accord, voilà. Mais c'est bon. Mais moi en fait, ce que je constate, c'est que c'est pas de danse authentique du Zouglou ont tendance à disparaître, sont en train de disparaître. Est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu? Non. Nous, on a un problème. Les enfants, la même chose, ils ont disparu, ils n'ont qu'à appeler ça Zouglou. Ils n'ont qu'à appeler ça Zouglou, ils vont appeler ça Zouglou.